Și omul, când e cu, dacă se deplasează ca să nu cadă, trebuie să își târâie oareși cu picioarele, să fie mereu cu picioarele lipite de pământ. Entonces yo pose mon katana devant moi, et assez loin parce que je vais le saluer. Et lorsque je salue quelqu'un, il faut que je salue ça. Salutul și avem nevoie de puțin spațiu în fața ei. Oui. Donc je suis salué mon katana parce que c'est lui qui va me permettre peut-être de garder la vie sauve. Puis, je saisis mon katana les deux mains à plat, et même chose, en glissant, il vient tout seul. Deci, et mon katana, je l'ai partagé en trois. Un tiers, deux et trois. Și în felul ăsta aveam împărțit sabia în trei, partea de sus, mijloc și partea de jos. Voilà. Puis maintenant, je vais lever mon katana. Ma main droite, ma main gauche ne bouge pas. Elle est au niveau de mon nœud de ceinture, c'est-à-dire au niveau du ki. Puis je vais ramener mon katana ici et le passer dans ma ceinture et le poser. Alors cet exercice, c'est pas la peine que je le fasse si je le fais n'importe comment. Il faut que je le fasse dans les règles et comme je me l'impose. C'est un peu le zen, vous savez, dans le zen on s'impose des punitions ou certaines choses à faire, et il faut les respecter. Donc là pour moi, j'ai décidé que j'amènerai mon katana comme ça à ma ceinture et je vais le faire dans les règles de l'art. Deci, zice, dacă facem exercițiul la frumoasa, nu are niciun folos, dar trebuie făcut așa ca cum se face și zen. Deci, într-un anumit fel, și anume cel care mi l-a arătat, este vorba aproape ca un fel de rugăciune. În felul ăsta trebuie făcut acest salut. Maintenant, va faire le processus inverse. La main gauche amène le katana, comme ça. La main droite vient prendre le relais. Et je continue. Voilà. Et maintenant, je vais lever. Et je vais remettre la ceinture. Voilà, alors on va le faire plusieurs fois comme exercice. Se le faire quelques fois, comme sous forme d'un exercice. Allez,